La raclette, l'un des plats préférés des Français certes, l'hiver touche presque à sa fin pour laisser place au printemps et aux températures plus douces. Mais ce n'est pas une raison pour arrêter de manger des raclettes. Qui a dit que ce plat délicieux et réconfortant était spécialement dédié à la période hivernale? Personne. La cuisine d'hiver est sans aucun doute l'une des plus appréciées des Français. Elle apporte beaucoup de réconfort dans les plats gourmands et généreux qu'elle propose. De plus, il s'agit de l'une des cuisines les plus conviviales. Déguster une raclette ou une fondue en famille ou entre amis est toujours un moment de partage réussi. Appréciée des petits comme des grands, la raclette est un plat typique montagnard qui ne nécessite aucune préparation, si ce n'est mettre de l'eau à chauffer pour cuire vos patates. Vous n'aurez pas des heures à passer en cuisine pour que votre repas soit une franche réussite. Mais si vous ne disposez pas d'appareil à raclette, cela deviendra alors impossible de le réaliser chez vous. Techniquement si, vous pourrez toujours faire fondre votre fromage dans une poêle ou au micro-ondes, mais ça devient plus compliqué et pour être honnête, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Choisir le bon appareil à raclette n'est pas toujours une mince affaire. Multifonction, pour deux personnes, option grill, avec caquelon intégré. Une multitude d'appareils existent sur le marché, vous trouverez forcément celui qui remplit tous vos critères. Zoom sur trois appareils à raclette, différents mais tout pratiques et fonctionnels.